Grao à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui, on va jouer à Political Animals, qui est un jeu de stratégie dans lequel on va tenter de gagner des élections. Dans ce jeu, donc, ce sont des animaux qui partent en campagne sur des territoires qui ressemblent plus ou moins à des territoires existants. Ici, je pense qu'on remarque plutôt quelque chose qui ressemble à l'Amérique. Et on va démarrer une nouvelle partie. Alors, je ne vais pas expliquer en détail tous les points parce que le tutoriel dure environ une demi-heure. Donc, si dans ma vidéo, je passe quasiment un quart d'heure à tout vous expliquer, ce ne sera pas forcément passionnant à regarder. Donc, dans ce jeu, on peut sélectionner un héros qui sera donc notre candidat qu'on va essayer d'emmener sur les routes de la présidence. Par exemple, le Hawk qui est un militaire, visiblement. On a le Tanuki, le Macaque, le Loup. Et des personnages à libérer qu'on voit ici. On va prendre la souris. On peut leur associer deux traits. Il y a un trait qui est forcément positif. On va avoir un bonus sur différentes stats. Et puis, on a un malus qui est justement ici. Parmi plusieurs qui nous sont proposés. Et on a une capacité spéciale qui va être donc une action spéciale unique qu'on peut avoir différente à chaque partie. Bon, on va prendre n'importe lequel, celui-là, hop. On va sélectionner notre niveau. Vous voyez qu'on reconnaît un peu quand même les zones, on reconnaît à peu près l'Angleterre. Là, j'imagine que ça va être les Philippines, quelque chose de cet ordre-là. Ces niveaux sont bloqués, on a, voilà, là, on a l'Amérique, on a le Japon, etc., etc. On va prendre l'Amérique, par exemple, pour rester dans l'actualité. Et ensuite, on va sélectionner quel état va être notre QG. Donc chaque zone a un petit symbole dessus, un bâtiment qui en fait va correspondre à différentes catégories de zones. Voilà, la police, la station de police, le village de pêcheurs, etc. etc. Et du coup, eh bien, eux, chaque zone va avoir des attentes différentes de la part de la personne qu'elle voudrait élire. Notamment, bah, par exemple, c'est ce qui est montré ici en fait. La zone où je me trouve par exemple ici, l'usine. Si je me mets ici, les gens qui sont ici, eux, sont très concernés, sont très inquiets vis-à-vis de tout ce qui est de la loi et de l'ordre, ainsi que des travaux publics. Donc il y a plein de petites choses comme ça. On a également des bonus de campagne au début, qui peuvent être plus ou moins intéressants. Alors nous, on va se mettre, on va se mettre dans les mines. On est des souris, donc on creuse. On fait des trous dans les murs, et du coup, hop, on va se lancer. Donc comme je le disais, notre campagne, elle va pouvoir s'articuler autour de deux points principaux parmi toute une ribambelle qui sont présentés ici. Donc voilà, la loi et l'ordre, les travaux publics, la religion, l'éducation, les emplois, etc. Et du coup, chaque ville, chaque secteur, lui, est concerné par deux éléments. Donc on ne pourra jamais, nous, avec nos deux éléments à nous, tout couvrir. Mais du coup, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit plutôt équilibré. Par exemple, on va prendre l'éducation et puis on va prendre tout ce qui concerne oula, il y a beaucoup de choses là qui sont concernées. Voilà, la religion, pas mal d'états qui sont concernés, et on va pouvoir placer 5 points sur lesquels on sera très renseigné et sur lesquels on va complètement axer notre campagne politique. Donc par exemple, on peut mettre 4 et 3, ce qui nous permet d'être fort dans un certain nombre de secteurs comme ceci. Hop. Et enfin, dernière chose avant qu'on puisse réellement démarrer le jeu, on va choisir un bureau composé de 3 personnages. Chaque personnage a des capacités spéciales qui sont indiquées en dessous en texte. Donc par exemple, on a le hibou qui va nous permettre de gérer les scandales qu'il va y avoir durant la campagne, ainsi que d'autres personnages qu'on peut prendre. Par exemple, on va prendre le lièvre et tout ce groupe, sachant que tout ce petit groupe, voilà, il coûte une certaine somme et il offre des bonus. Donc il faut faire attention à ce qu'on prend dans notre groupe. Du coup, on va se lancer. On va choisir notre adversaire. Notre adversaire, donc, il peut jouer de différentes manières, d'une manière propre, de manière sale, de manière efficace ou de façon totalement random, aléatoire. On va jouer à quelqu'un qui joue propre. On peut voir le staff qu'il va utiliser, on peut choisir sa difficulté. Donc on va jouer en facile pour l'illustration. La durée de la campagne, c'est simplement la durée de la partie. Un jour est un tour, on va prendre 15 jours. Et puis les fonds avec lesquels on démarre, on va se mettre à 150 000, c'est très bien.
Et du coup, ça y est, donc je m'oppose à Eagle pour la présidence. Alors, ici donc on voit la carte sur laquelle on va jouer, chaque zone est bien séparée, chaque zone est à conquérir du côté des votes. Donc la zone qui est entourée de blanc et de bleu, c'est mon QG à moi. La zone qui est entourée de rouge et de blanc, c'est le QG de mon adversaire. On va jouer avec chacun de nos personnages, donc notre candidat ainsi que chaque personnage de son bureau, durant notre tour pour faire différentes actions et essayer de gagner des voix un petit peu partout pour que les gens nous fassent confiance. De temps en temps sur la carte, on va avoir différents événements qui vont se passer. C'est actuellement le point d'interrogation qu'on voit ici. Et alors on peut mettre le jeu en français, hein, j'ai oublié de le mettre en français. Et du coup, il se passe des événements et on peut répondre de différentes façons et voir un petit peu ce que ça fait. Donc par exemple ici, on va, je crois, préparer une fête d'anniversaire pour quelqu'un. Et du coup, si j'accepte, ça va me rapporter du relationnel avec un des chefs de la zone dans laquelle je me trouve. Par contre, ça me coûtait un peu cher. Et du coup, eh bien, sinon on peut faire différentes choses. Alors, hop, on va être généreux. Hop. Chaque secteur donc de la ville, enfin de la du pays, a donc des inquiétudes dont je parlais tout à l'heure. Nous, on peut plus ou moins y répondre suivant ce qu'on a dans notre campagne. Donc, par exemple, Eagle ici, lui, il est concentré. Il a un point sur les 5 qu'il a mis dans son programme sur. Ce qui concerne la santé, mais par exemple ici voilà en éducation je suis très bon. Le gros de ma campagne est concentré sur l'éducation. Qu'est-ce qu'il a pris d'autre, Eagle? Ah, il a pris la religion, où il s'est énormément concentré, il a mis 6 points dessus, ce qui est énorme. Et du coup, eh bien toutes les zones où ça parle de religion, lui il sera extrêmement puissant parce que sa campagne est basée en grande partie. Dans ce cas-là, vers la religion. Donc c'est en pourcentage, donc 35% des gens sont inquiets vis-à-vis de la religion et 50% pour l'éducation. Donc moi je serais très fort en éducation. Par contre, il faut que je fasse attention, si je veux parler de religion, et eh bien mon adversaire sera plus fort que moi dans certaines régions. Donc il faut pas que j'augmente trop l'importance de la religion dans les états où je vais, parce que sinon bah, lui il va me battre à plate couture. Allez, du coup on va commencer réellement la partie. Chaque personnage que je contrôle librement peut se déplacer. Donc ici, actuellement ils sont tous à mon QG. Et je vais pouvoir faire toute une ribambelle d'actions qui sont marquées en bas. Donc mon QG il m'est déjà acquis par défaut. Vous voyez qu'il n'y a que des gens qui vont voter pour moi en intention de vote. Où est-ce que je peux aller autour de moi où il y a de l'éducation? Ouais, alors c'est plutôt là-bas, faudrait que j'aille vers le bas. Donc, on va se déplacer comme ça, on peut se déplacer une seule fois par tour, d'une seule case. Et du coup, eh bien, dans cette région où je me trouve, il n'y a pas grand chose qui personnellement me rend fort ici. Malgré tout, je vais faire un petit discours. Mais vous voyez que ici, donc je vais investir un plus ou moins gros budget. Malheureusement, ma réputation va augmenter de 0 jusqu'à 5000. Alors que si j'étais dans une zone où je parle d'un sujet qui est important pour les gens, qui déjà est dans les gens et qui en plus est important, eh bien je pourrais gagner beaucoup plus d'intention de vote. Donc bon, on va faire un petit meeting de rien du tout. Ah, ça m'a fait gagner que 400, c'est très très faible. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est le lapin. Donc sa capacité spéciale, c'est de se déplacer 2 fois. Voilà, comme ça. Par contre, ça a épuisé son tour. Donc lui sera déjà sur place. Ce que je vais faire ici. Est-ce que... Ah, je pouvais aller ici. Ici, il y avait de l'éducation. Allez, bah du coup, on va envoyer mon... Hop, comme ceci. Et lui va faire un discours également. Et l'éducation, ça tombe bien parce que c'est un truc qui est dans mon programme, qui est très fort dans mon programme à 4. Et ça inquiète les gens à 35%. Du coup, je vais mettre comme ceci une certaine somme de budget. Et vous voyez que déjà de base, je vais gagner beaucoup plus de gens que tout à l'heure pour une somme quasi équivalente. Et donc dans cette zone, eh bien, avant j'étais beaucoup en dessous au niveau des intentions de vote. Maintenant, je suis un peu au-dessus. La tortue, sa capacité... Elle est là, du coup, elle,
elle va se déplacer comme ceci. Par contre, à chaque fois qu'on fait une action en bas, ça nous coûte des points d'action. Ils sont globaux, en fait, à notre équipe entière. Et en fait, c'est les points de logistique, ici. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça coûte des points. Le problème, c'est que du coup, lorsqu'on en a plus, on peut faire des actions qui sont plutôt limitées. Alors, ce que je vais faire, j'aurais dû faire l'inverse, ça aurait été plus intelligent, c'est que je vais augmenter les inquiétudes des gens vis-à-vis de ces domaines. Donc là, vous voyez que pour le moment, c'est à 35 ici. Et en fait, je vais faire un message pour que les gens soient un peu plus inquiets, un peu plus concernés par l'éducation. Ce qui fait que la prochaine fois que je ferai un discours, eh bien, ça va beaucoup mieux marcher. Donc par exemple, voilà, je mets 15 000, ça va augmenter entre 13 et 27. Et ça augmente de 27, donc j'ai beaucoup de chance. Donc maintenant, ils sont concernés à 62% par l'éducation. Donc si je fais un discours, étant donné que c'est très fort pour moi, l'éducation, je vais gagner énormément de voix au prochain tour. Mais là, j'ai joué avec tous mes personnages, du coup, on va s'arrêter. Hop, fin du tour, mon adversaire va jouer, il va déplacer ses 4 persos. Il va tenter de faire des choses. Hop, fin du tour. Du coup, à chaque tour, il va falloir payer les membres de notre cabinet. Si on peut pas les payer, ils peuvent pas jouer à ce tour. Hop, on va valider. Alors là, on a entendu un petit « je pourrais » au début. C'était en fait ici, c'est la petite bombe, ça correspond au scandale. Les scandales, en fait, quand on fait certaines choses, il y a des scandales qui sont révélés et le résultat, c'est que eh bien, notre personnage va perdre de la puissance dans le secteur où le scandale se trouve. Alors ici, le scandale... Bon, il a fait un scandale dans son QG, donc en gros, les gens sont pas contents contre moi. Mais ça n'a aucun intérêt parce que son QG, il est déjà entièrement convaincu par lui. Donc me baisser ma puissance chez lui, c'est pas très, très utile en soi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore booster l'attrait des gens pour la politique. Enfin, pour l'éducation, je veux dire. Encore un coup. Voilà. Attends, ils sont concernés à 84% par l'éducation. Et donc ici, là où je suis que à 14 000, je vais faire un discours maintenant. Et le discours va être beaucoup plus balèze, regardez ça. Mais 15 000 par exemple, et je gagne entre 8 000 et 16 000. Alors du coup là, j'ai vraiment explosé dans ce secteur. Je vais faire à peu près la même chose ici. Vu que le lapin y est aussi, je vais booster un peu tout ça. Donc là, ça coûte cher, hein, tout ça, je dépense beaucoup d'argent. Mon candidat va se déplacer ici. Et il va faire un nouveau discours. Pour dépenser 15 000. Du coup, les gens vont être convaincus. Donc petit à petit, quand beaucoup, beaucoup de la population nous aimera, en tout cas, ou on sera convaincu par ce qu'on fait, au bout d'un moment, les territoires vont s'entourer de bleu ou de rouge, qui sont à moi ou mon adversaire, ce qui veut dire qu'ils me seront globalement acquis. Donc ça pourra changer. Et un autre point dont j'ai pas parlé, c'est que chaque région a 3 personnalités qu'il faudra également essayer de convaincre, qui vont avoir différents effets. On a 3 catégories de patrons. On a les patrons riches qui vont nous donner un bonus s'ils sont de notre côté. Ils ont 65% de sympathie pour moi, donc 35% pour mon adversaire. Et plus la sympathie qu'ils ont pour moi est forte, plus on va avoir des bonus. Donc le patron riche, lui, va me donner des bonus lorsque je collecte des fonds dans sa région. Le patron influent va diminuer les coûts d'action quand je fais des trucs chez lui. Et puis le patron populaire, lui, va augmenter l'effet de mes discours. Alors pour augmenter leur appréciation, on va pouvoir de temps en temps avec nos personnages faire des actions qui sont en bas. Alors là, elles ne sont pas montrées parce que j'ai fini mon tour. Mais on va pouvoir en fait leur offrir des cadeaux pour qu'ils nous aiment un peu plus. Des cadeaux plus ou moins chers. Donc c'est un peu de la corruption. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors on peut carrément leur graisser la patte en leur donnant de l'argent directement. Par contre, ça, c'est jouer avec le scandale. Et le scandale, il faut faire attention parce que ça peut nous retomber dessus. On peut être spécialisé du coup dans sa campagne pour révéler les scandales de l'adversaire et le faire baisser dans les sondages. Du coup, lui, je vais utiliser sa capacité spéciale qui prend des points de logistique mais qui augmente beaucoup potentiellement la population qui est avec moi. Voilà, par exemple, l'occupation, hop. Et du coup, ils sont à fond avec moi, ils sont à 36 000 convaincus par mois, et du coup, eh bien, j'ai
récupérer ce territoire qui est de mon côté. Du coup, comme j'ai beaucoup de gens qui me font confiance, eh bien, je vais pouvoir faire une récolte de fonds. Et comme ils sont nombreux, eh bien, je vais gagner beaucoup plus d'argent potentiellement. Ça me coûte 2 points d'action. En plus, le patron riche de la région me fait confiance à 73%, donc je vais gagner 35% de plus dans ma récolte de fonds. Et du coup, ici, on m'indique que je peux au total récupérer dans cette région 26 000 d'argent. Et que du coup, à ce coup, là, immédiatement, je vais avoir 9 000, mais en me répétant, sur une semaine maximum, on peut avoir une somme limitée, on peut pas farmer une zone. Il faut un peu tourner. Du coup, hop, je récupère 9 000 d'argent, ici. Ici, il y a un événement. Je suis en compagnie de Madame Bovini, la vache la plus riche de l'île. Et elle nous dit qu'elle a perdu son mari dans un terrible accident. Et donc on peut faire quelque chose pour s'attirer des relations avec elle, ou alors on peut l'emmener ailleurs pour discuter avec elle et gratter des fonds, c'est pas cool, mais ça nous fait un scandale. Alors on va faire le scandale, mais comme ça on va gagner plein d'argent, ça va me faire gagner du temps. Et du coup, vu qu'on a été sympa avec elle, elle veut nous remercier, donc ça fait un scandale. Dans la région, il faudra faire gaffe à ce que ce soit pas révélé. La capacité spéciale de mon hibou, c'est qu'il peut virer les scandales, en fait, il peut les cacher, les dissimuler. Donc ça peut être assez intéressant. Du coup, dans cette région, je suis pas encore parfait, même si 66% d'un truc que je maîtrise bien, c'est cool. Du coup, eh bien, on va faire... Ah non, un discours, ça coûte 3, je ne peux pas. Eh bien, je vais augmenter l'intérêt des gens pour ça. Encore un peu. Voilà, 82, du coup la prochaine fois que je pourrai, j'aurai 7 points de logistique, ça va être extrêmement efficace. Et du coup, bah lui, je peux pas faire grand chose. Peut-être commencer à m'attaquer par là. Déplacer. Et je vais commencer à booster aussi ici la valeur de l'éducation. Donc là, pour l'instant, mon adversaire a beaucoup plus d'intention de vote, hein. Il a démarré dans une zone qui est un peu mieux, et puis de base, mon malus me fait que je pars avec moins de gens qui m'apprécient. Donc là, j'ai fini. Hop, peut-être au tour de mon adversaire. Là, il se concentre bien sur cette zone. On va payer tout le monde. Là, il travaille beaucoup ici, mais ça n'a pas l'air très efficace pour le moment. Alors, donc ici, je vais terminer de convaincre un peu tout le monde en faisant un discours. Je vais mettre la sauce. 20 000, hop. Alors, c'est pas suffisant, malheureusement, pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire déplacer ma tortue, puisqu'elle a complètement validé cette zone. Et je vais la faire passer par ici. Ici, je réponds pas à grand chose, mais j'ai quand même plus d'intention de vote. Du coup, je vais pas faire un discours parce que la tortue, ça lui coûte cher de faire un discours, parce que chaque coup dépend un peu du personnage. Ce qu'elle peut faire, par contre, c'est hop, augmenter un peu la quantité de gens qu'elle va prendre. Allez, on va faire ça. Une façon de militer. Du coup, j'augmente un peu ma puissance dans cette zone. Et puis le hibou, eh bien également, je vais le déplacer par ici. Et il me reste par contre aucun point d'action de logistique, malheureusement pour moi. Donc je vais rien pouvoir faire avec lui. Ah oui, même là, j'ai fait une bêtise. Parce que du coup, je peux plus rien faire non plus avec lui. Ouais, j'ai fait une bêtise. Allez, c'est pas grave, on termine le tour. Là, ils font des choses à droite. Ils militent un peu partout. Ah, il a également une casserole par là. Ici, est-ce que ça marche ce qu'il essaie de faire? Un peu, mais c'est pas terrible. Du coup, ici... durant une interview télé, on me demande
Est-ce que... Ah, on me parle encore de Madame Bodvini. Il paraît que je suis... que j'ai été vu avec elle. Donc si j'avoue qu'elle est contributeur, les gens vont pas trop... Elle va pas trop apprécier. Si je réponds de façon évasive, je vais gagner encore plus d'argent. Et je vais accumuler une nouvelle casserole. Pour faire de la casserole, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est finir de conquérir cette zone ici. Un discours. 5 ou 10 000, ça devrait suffire à ce que j'ai la majorité. Il faut que, pour qu'un territoire soit à moi, il faut que plus de la moitié des gens veuillent voter pour moi. Donc en gros, ici j'ai 32 000, les deux combinés ça fait 35 000 à peu près. Donc là, si je fais un truc comme ça devrait, voilà, être de mon côté globalement. Ici, alors c'est pas un territoire que je vais forcément garder facilement. Parce que c'est pas un territoire où j'ai beaucoup de d'éléments. Par contre, il y a beaucoup de gens qui y vivent. C'est un peu la différence. Il faut faire attention aux zones où il y a beaucoup de populace qui vit. Ouais. Bon, le plus simple, c'est que je me déplace. Alors, est-ce que je me déplace ici? Ouais, je pourrais au casino. Hop, ici, je vais augmenter l'intérêt de la religion. Alors, si mon adversaire arrive par ici, c'est pas terrible. On va dire tant pis. Le hibou, on va également le bouger. Ou est-ce que je fais quelque chose ici? Ou alors je fais une récolte de dons. Là, je peux avoir 23 000 si je fais des récoltes de dons ici. Donc je vais le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en fait dans cette zone. Donc ouais, je vais récolter la max d'argent, je pense. Hop, ça me manquait justement. Du coup voilà, et le lapin, il peut juste encore augmenter quelque chose. Donc je vais le faire vis-à-vis de la, encore de la, de l'éducation, qui est vraiment centrale dans mon. Dans mon discours, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent là, au fait? 95 000 électeurs à conquérir, oui. C'est pas mal. On va continuer un peu. Là, il a réussi à récupérer cette zone. Fin de première semaine, on me détaille un petit peu comment se passe la campagne pour le moment. On m'indique que les zones que j'ai un peu négligées et qui du coup m'apprécient un peu moins maintenant. Et du coup, fin de la première semaine, on attaque la deuxième. Je paye mes gens. Je vais déplacer ma souris ici et je vais faire un discours qui devrait être éclatant. Je vais dépenser beaucoup d'argent, mais je vais en récolter après. Voilà, comme ça, je vais gagner 10 000 à 20 000 voix. Pas mal de gens ici, intéressants. Alors, il y a un nouvel événement. On m'a demandé 15 000 pour que je crée un vidéo-jeu. D'événements à l'école. Alors ça augmente l'intérêt de la l'inquiétude vis-à-vis de la l'importance de la santé. C'est pas... Le problème c'est que mon adversaire est un peu spécialisé, donc je vais refuser. Donc tant pis. Du coup, moi, ça m'arrange d'avoir fait baisser l'inquiétude vis-à-vis de la santé, parce que mon adversaire, lui, est un petit peu spécialisé dans la santé, donc dans cette région, il aura absolument aucune emprise, sans rien faire. Par contre, je vais reprendre un peu d'argent, parce que je suis un peu en manque. Plus comme la fin de semaine est bonne, je vais pouvoir, hop, refaire des choses. Cette région, donc, elle commence à monter. Je peux encore augmenter si je veux le... Des événements ici, ce que je vais faire. Ou alors, si je vais faire ça. Voilà, 100.
On est arrivé à 100, donc là, effet maximal de ma campagne. Lui, on va le déplacer ici, parce que cette région, j'arriverai pas à en faire grand chose, je pense. Et je vais occuper la place en utilisant mes derniers points de... Ah mince, je peux pas. Bon. Ça occupe un petit peu. Et du coup, eh bien, j'ai terminé. Point de logistique bloque pas mal les choses hein, quand même. Faut faire attention. Ah, ils ont fini de conquérir cette zone. Donc pour l'instant, on travaille chacun de notre côté. Donc on se rentre pas trop dedans. Mais rapidement dans le jeu, évidemment, on va finir par essayer de se... piquer les territoires de l'un et de l'autre. Et c'est là que ça va devenir encore plus intéressant, parce qu'il va falloir essayer de limiter les adversaires dans leurs mouvements avec nos capacités spéciales, de déclencher les scandales, pour finalement être le plus haut dans les sondages. Du coup, on va s'arrêter ici, je pense. Le gameplay, j'ai eu l'occasion de faire quelques tours de jeu pour bien montrer un peu comment ça marche. Donc, Political Animals, il coûte 15€, il est compatible Windows et Mac. C'est un jeu qui est très sympa d'un point de vue stratégie, l'univers est très mignon. Puis bah voilà, c'est un petit jeu de stratégie tactique plutôt sympa. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants. A bientôt.